Monsieur le Président, qu'avez-vous dit à Valéry Giscard d'Estaing en arrivant à l'Élysée ? Je viens te chanter la balade des gens heureux. Monsieur Mitterrand, quelle a été votre réaction après votre victoire ? J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Monsieur Gaston Defer, comment avez-vous annoncé l'arrivée des communistes au gouvernement ? Monsieur Fitterman, vous êtes tout heureux d'être ministre des Transports, pourquoi ? Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Monsieur Giscard d'Estaing, qu'avez-vous déclaré à Anémone le soir de votre défaite ? Allô maman, bobo. Et que vous a-t-elle répondu pour vous consoler ? On a les bijoux, on a les cailloux, on a les bignoux. Monsieur André Henry, vous êtes ministre du temps libre, que faites-vous toute la journée alors ? Je bande, je bande. Jacques Delors, comment allez-vous vous attaquer aux gros contribuables ? Oléma, oléma, oléma. Et dans quel état les laisserez-vous ? Sans chemise, sans pantalon. Madame Alain Perfit, que pensez-vous de votre mari ? Il est bancal, du côté cérébral. Jacques Chaban-Delmas, pourquoi avez-vous soutenu Michel Debré ? Je suis dans tous les coups, foireux, tous les naufrages. Monsieur Pierre Mauroy, vous êtes Premier ministre, quel est votre sentiment ? Ça plane pour moi. Jean Le Canuet, comment vous jugez-vous ? Carrément débile, je trouve pas mon style. Et quel est votre nouvel emploi du temps ? Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Marie-France Garraud, qu'êtes-vous devenue ? Moi, je suis les verres au fond du café. Arlette Laguiller, que pensez-vous de Georges Marchais et de son camarade Segui ? C'est Guignol, qui cogne les gendarmes avec son compagnon Niafron. Monsieur le Président, à quoi attribuez-vous la défaite de Valéry Giscard d'Estaing ? Il est tombé par terre, c'est la faute à votre père. Le nez dans le Monsieur le ministre du temps libre, dans quel état êtes-vous maintenant ? Je bande encore. Michel Jobert, comment avez-vous séduit Pierre Mauroy ? J'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles. Monsieur le prince Poniatowski, que vous a dit le comte d'Ornano après la défaite de Giscard d'Estaing ? C'est la traversée du désert, pour toi, pour moi. Monsieur le président, que pensez-vous de Raymond Barre ? Antisocial, antisocial. Et d'Arlette Laguiller ? Dire. Monsieur le Président, que vous a demandé Georges Marchais lorsque vous l'avez reçu à l'Élysée ? Hé hey, camarade, ça passe 100 balles ? 100 balles ? Enfoiré, ouais. Et nous concluons... Qu'est-ce qu'on attend du coup d'être heureux ?